Aujourd'hui, j'ai pas filmé grand-chose pour la simple et bonne raison que je vais zapper la caméra. Donc, je vais vous mettre un petit récap de ce qui s'est passé dans la journée. Mais en gros, en résumé, c'est de la peinture sur céramique, du sport. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je vais pas. Tu me fatigues. Je vais t'enfermer à double tour. T'arrêtes. Mais tu répètes tout ce que je dis, t'es un enfant de 4 ans et demi. Ah, si. De quoi tu parles? Tu répètes ce que je dis. Arrête! En plus, il me fait passer pour une folle. On a fait de la peinture sur céramique et du sport. On est allé manger des crêpes chez Jolik à Kerleving, donc c'est tout près de la plage. Donc si vous êtes dans le coin, c'est méga stylé, les crêpes sont trop trop bonnes et le cadre est trop cool, donc c'est trop bien. Nous, on aime bien y aller l'été. En général, il est là jusqu'à mi-septembre, il me semble. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on est allé voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ils utilisent tout le temps des mots comme ça. Ouais, ça devait être un récap succinct, on est à 2 minutes. Ah bon? Ouais. Mais t'es long d'après. Mais c'est pas moi, c'est toi qui fais le zouave. J'y crois pas. C'est toi qui feras le vlog, hein? Non. Bah, là, ça fait au moins 3 minutes. Mais arrête de me couper, et comme ça, au moins, ça serait déjà terminé. Le résumé de la journée en images, c'est tout de suite. Prépare les DI et les splitters. Ça va parler aux gens. Oh là ça. Là, c'est d'une clarté. Ça va parler aux gens, ça. Non, mais comment tu peux expliquer ça facilement? Va montrer déjà. En gros, quand on arrive sur scène, déjà, ça fait un moment qu'on est assez autonome dans le sens où on arrive avec nos propres DI. En fait, les DI, c'est ce sur quoi on branche nos instruments. Ça sert à pas avoir de perte de signal. Comme il y a en fait sur scène, généralement, il y a beaucoup de distance entre nos instruments et la console. Et donc, les DI servent à avoir aucune perte de signal entre tes instruments et le système son. Voilà. Et donc du coup, quand t'arrives sur scène, il y en a toujours, sauf que nous, ce qu'on a fait depuis un petit moment déjà, c'est qu'on arrive avec les nôtres qui sont aussi pré-branchés. Et du coup, on gagne vachement de temps de réglage. Et histoire d'être encore plus efficace, on a acheté une table. Plus efficace et plus confort. On a acheté cette table qui va nous permettre, en gros, de gérer nos retours nous-mêmes, nos retours de scène. Et pour gérer nos retours de scène nous-mêmes, il faut que le signal qui sorte d'ici puisse être envoyé, comme d'habitude, à l'ingé son qui est en face, mais qui puisse être envoyé aussi à la table. Et pour ça, il faut un splitter, ce qui est juste ici. Et Loulou, du coup, il est en train de les souder entre elles pour pouvoir les mettre du coup, dans cette boîte. Parce qu'habituellement, tous ces trucs-là, ils s'accrochent comme ça, en fait. Sauf qu'on s'est dit, bah c'est parfait, on va l'attacher de l'autre côté. Sauf que l'autre côté, il n'y en a pas. Du coup, on est en train de trouver des solutions. Mais bon, ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on va être méga confort et on pourra régler nos réglages de scène directement, chacun avec notre téléphone. Donc si on veut plus de voix, plus de batterie, moins de synthé. Exact. Exact. Voilà, c'est propre. Bon, il manque la deuxième DI là, mais là. Oui. Drums, synth, basse, click, guitare, clic. Ukulélé. Quand il n'y a pas Tony. Là, c'est nickel. Hein. C'est nickel. On a fait 14. Oui. 14 marrons, pas vin rouge. Oui. Le rouge, vin rouge, c'est 15. Okay. Et le bleu turquoise, c'est 16. Nous sommes en train de numéroter tous nos petits câbles.
pour que quand on arrive sur scène, en fait, les branchements ce soit hyper simple. Genre là, on a numéroté de 1 à 16, on a 15 pistes nous sur scène. Donc comme ça, quand on arrivera sur scène, on aura juste à faire clic 1, clic 2, clic 3, clic 4, clic 5, clic 6, clic 7, clic 8, clic 9, clic 10, clic 11, clic 12, clic 13, clic 14, clic 15. Et là, on peut essayer. Donc ça, ce sera sur le côté de la scène, avec au-dessus notre système de Ear Monitors. Le but, c'est qu'on envoie tout ce qu'on joue dans cette machine, qui envoie tout dans cette machine, qui envoie tout dans nos oreilles. Voilà, tous les câbles sont numérotés. Nickel. Ce là, il faut quoi l'ouvrir? On fait une croix rose. Là, s'ils ouvrent, je comprends pas. J'ai un truc dans mon dos. Non. 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 On arrose après ? Je commence à voir du rouge. Le rouge. Hop. On va se mettre en place. Moi j'ai besoin de ça. 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 You call what you love. Est-ce que si je fais en grave, ça se verra? Ça dépend si tu ouvres la bouche. Strike me down with all your violence. Non, c'est bon. Love your eyes. Ok, on va essayer. Oh ouais, if you want another, let future slowly dies. Tu t'arrêtes là. All the memories seem so hollow. You call it your love. Soleil. Moi, en rentrant, il faut que je rec deux chansons. Oui, il y en a un qui est quasi vide. Oui, ça doit être ça. On a fait la vidéo, du coup Louis voulait que je le back sur le refrain, donc je vais le backer sur le refrain. J'ai jamais chanté cette chanson, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que pour le coup c'est pas moi qui l'ai écrit ce truc là. Now you're building walls of silence, and our future slowly dies. All the memories seem so hollow, you call it making love. Ok, après l'idée, je suis pas du tout dans le cadre. L'idée, c'est de faire un truc vraiment genre chanter hyper à la cool et pas trop interpréter. Je vais comme le réajuster vite fait, mais ça va pas être trop compliqué. Hop, j'ai fini de mixer Hollow. Maintenant, je fais I Like the Way You Kiss Me et après, j'attaque les vidéos. You bite my lip just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. Alors. Ce soir, c'est concert à Kernevel. Il est 13h50. Je pense qu'on va partir de la maison vers 16h à peu près. Il faut que je me prépare, il faut qu'on prépare tout le matériel. C'est un peu compliqué parce que hier soir, c'était intoxication alimentaire. Je sais toujours pas à cause de quoi, mais du coup, j'ai passé une fin de soirée horrible. Nuit, ça va, mais un peu peur que ça recommence. Du coup, j'ai pas très bien dormi. Du coup, voilà, je suis un peu fatiguée. Mais là, ça va. Donc, on peut se préparer. Je vais pas me maquiller tout de suite parce que je sais que dans tous les cas, en chargeant le matos, je vais transpirer, je vais foirer le maquillage, j'ai pas envie. Donc là, on va charger le matériel. J'ai regardé la météo, ça a l'air moins pire que ce qu'ils prévoyaient, ça a pas l'air ouf non plus. Là, par exemple, il recommence à pleuvoir un peu, mais ce soir, ça a l'air un peu mieux. Il fait pas beau pour autant, mais je crois que vers 21h, normalement, la pluie se calme. Donc on verra, au pire, je crois que c'est juste du crash, hein, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, on sera couvert et on espère que les gens viendront quand même.
That's terrible. That's terrible. Oh, that's terrible. It's raining today. Oh no, we have a show tonight and it's raining today. Nous sommes en route pour Carnevel. Tout le matériel est dans la remorque. On dirait sur la caméra que la musette qui fait beau, alors qu'en fait, non. Là en ce moment, il ne pleut pas, il ne fait pas froid. Maman, ça va faire un concert et. El tiempo no es bueno. No es bueno. Para tardes. De quoi? Para tardes. C'est comme ça qu'on dit? Toi, tu m'as perdu. Pour ce soir. Para tardes. No es bueno para tardes. Je vais le faire avec un meilleur accent. D'accord. Oh, c'est un concierge. Ah, c'est le meilleur accent, ça? D'accord. Allez, sur ce, à toutes. On y est arrivé. Je pense que je peux avancer hein, pour aller jusqu'à la Seine. On est à 5 minutes du début du concert. Même pas, il est 59. Hein. Une minute. Bon, on vous retrouve après. Il n'y a pas d'erreur de parcours à vouloir oublier. Ce naufrage, c'est dommage, je nage à tes côtés. Alors je me contenterai de ce que la vie m'a donné. Puis je verrai bien après si tu veux me pardonner. Alors je me contenterai de ce que la vie m'a donné. Dit-on dans le sablier. Il pleut, c'est pas rien de plus. Il pleut, il pleut, il pleut.
Ça range le matos en écoutant du Matmata. Ce ne sera que la cerise. Des bruits. Dingue des bangs et des stumps. Dingue des bangs et des dents. 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 Sticking des bangs et des stacks et des claques. Tchou, 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 tchou. C'est pas ce que j'appelle un débrief. J'ai l'impression qu'il est sale. Je vais le laver un coup. Oui. Des gouttes de genoux. T'as peau partout. Ah, c'est mieux. Débrief. On est allé faire un concert au Moustoir. Ah, plus de batterie quasiment. À la chapelle du Moustoir, on a fait un concert. J'ai plus de batterie. On a fait un concert à la chapelle du Moustoir, c'était vraiment trop cool. Il y avait du monde, ouais. Alors que la météo était pas ouf. Quasiment pas de pluie, juste sur il pleut, pour finir. Je sais pas, c'était à la cool. Ouais, à domicile ma gueule. À domicile, en mode acoustique épouse, à choisir la setlist au fur et à mesure. Voilà, il y avait la famille, les amis. C'était très cool. On a mangé des frites et des saucisses. Et des crêpes. Merguez. Les crêpes, oh les crêpes étaient excellentes. Ouais. Sauf que j'ai mangé un peu, mais comme d'habitude, fin de concert égale... Pizza. J'ai...